de réutiliser la même attaque. Donc c'est un peu fort quoi. Ok, et voilà, là on m'entend, voilà, maintenant là c'est mieux, oui, forcément. OBS ne captait pas mon micro parce que il n'était pas link. Branché. Si, il était branché, mais il était dans les paramètres, il n'était pas affilié. Et du coup, bah forcément, ça ne marche pas. Du coup, j'ai fait mon intro dans le vide. Salut à tous, c'est le live ici Apothicaire, tout ça, on est sur Pokémon et Perle et Alliance Diamant, voilà. Et pour YouTube, un truc à expliquer, parce que ici, il y a une arène qu'on a faite, mais qu'on n'a pas montrée. Pourquoi? Parce que je suis un putain d'abruti, hein. Ah, ça, je peux C'est. confirmer. Donc, on passe de l'épisode 7 à 9, hein, littéralement, sur YouTube. Pourquoi? Parce que j'ai été un débile et que j'ai fait de la merde dans une de mes manips. Et du coup, au moment de la création de l'épisode 8 de la rediff sur Twitch, j'ai cliqué sur supprimer la rediff un petit peu trop tôt. Du coup, l'épisode 8 n'a pas eu le temps de se faire. Du coup, j'ai pas l'épisode 8. Voilà. Du coup, il n'y a pas d'épisode 8. Donc, on a raté une arène, qui est l'arène O. Mais bon, en même temps, on n'a pas raté grand-chose, hein, puisque. Comment vous dire? C'est une arène O, on a Luxray. Voilà, ça a été rapide, quoi. On va pas se mentir. On a pris Luxray, on a one-shot un petit peu tous les Pokémon, et voilà, ça a été rapide. Et du coup, on est parti pour l'épisode 9. J'ai failli me perdre dans ce que j'allais dire. Ça fait être terrible. Non, Donc ça va, t'étais apparemment, bien. il faut qu'on fasse visiter Verchamp, donc je ne sais pas du tout ce qu'il faut Oui, faire. alors, tu vas sortir du centre Pokémon et à droite, c'était une sorte de tour là Oh putain, bizarre. Et d'ailleurs, juste à attends. côté, il y a un gars. Il y a Mireille Mathieu bleu là. Et faut que tu lui parles. Mireille Mathieu, bleu. Ah ouais, bah let's go. Attends, faut que je soigne mes Pokémon parce que j'ai Ah, remarqué un c'est pas truc. con ça! Luxray, il est empoisonné, moi. De la dernière Ah fois que je oui. me suis baladé dans les souterrains. Moi, il a perdu 3 HP, mais au cas où, on sait jamais. Ah, moi aussi, il a pas perdu beaucoup d'HP, mais il est empoisonné, quoi. Du coup, c'est chiant. Du coup, tu m'as dit. Une espèce de Il tour faut en aller bas à voir Mary droite. Maqueux. Mathieu. Où ça? Quand tu sors du centre Pokémon à droite, t'avais dit. Et tu vas à droite. Mais attends, mais. C'est lui? Il pense à Haute-Voix, il va Tiens, au lac. c'est une mission importante, je n'ai pas le droit. Ah! Ah, bonjour. Non, mais dis donc, tu m'espionnes, j'étais en train de penser à voix haute. Ah ouais, putain, tu. Si j'étais pas aussi pressé, je te pulvérisais avec mon Pokémon. Ok, d'accord. Attends, reviens! Champion? Comment ça, champion? Poursuivez le sbire qui Oh s'est enfui vers non! l'est, ok. Oh mais Parce que. Tartampion, il veut se battre! Oh non, non, mais pas encore! Ah, mais c'est pour ça, Mais t'as je vais dit te péter la Tartampion! gueule! T'as dit Tartampion, j'ai compris champion! Mais non, mais. Mais. Il me lance un étourmi alors que j'ai un Luxray niveau 40! Ah, y'a. Mais mec, par contre. Ah, mais il a que 4 Pokémon, non, ça va, easy. Je me suis Il est dit niveau si. 26! Ah non! Oh, oh le pauvre! Je pense que je vais le one shot! Bah oui, Je pense que je vais le one shot. Luxray niveau 40 contre un Etourmi level 26. Non, non, je vais pas le Voilà, one bah shot, c'est mec. exactement ce qui s'est passé. Mais non, je vais pas le one shot, mec. Arrête de mentir. Enfin, fais pas genre. Bah, Hein. si! Non, mais. J'ai mis change éclair, du coup, bah c'est passé. J'ai fait la même. Par contre, j'ai fait une. Peut-être pas dû faire changer, car on servait à Si, rien. je vais mettre Fantomas. Oh, Je vais voir ce qu'il Fantomas. vaut. Attends, je vais peut-être monter un petit peu ton son. Et moi, j'ai peut-être un peu baissé le son de la télé parce que dans les oreilles, ça fait un peu fort le jeu Pokémon. Ouais, voilà, là, on t'entendra peut-être un peu mieux. Hop là, Allez, vas-y. Dinoclier et Cranidos qui prennent 7 niveaux d'un coup. Ah, moi, il en a pris que 5. Ben, alors, ce qui est bizarre, c'est que Dinoclier, il est passé niveau 6, Cranidos est passé niveau 7. Pourquoi Parce y en que a c'est un? un Pokémon échangé. Les Pokémon échangés vont plus vite. Quoi? Mais non. Si? Mais what the fuck? Je connaissais C'est pour pas ça que c'est ce. presque worse en fait que ce soit un autre gars qui attrape les Pokémon et qui te les envoie. Je savais pas cette technique. Hein. Amuse-te Ah boué. bah si. Ok, bah je vais Bon remettre bah juste Luxray. Hein. bruit. Hein. Allez, one shot avec point ombre. Let's go. Je sens que Ectoplasma il va me faire du sale. Bon, et du coup, attends, parce que ça fait 2 semaines que j'ai rien branlé sur Twitch. Il s'est passé des trucs entre temps. Là, on a platine GTA V en début de semaine. Et un truc genre.
Et Rocket League aussi qui te manque. Et hier, du coup, on a fini Sniper Elite 4, qui était un sacré jeu quand même. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai fini, toi, je sais que... Moi, il me manque les trois dernières missions à faire pour les collectibles. Ça va. Ponita, les pingoléons, on le respecte pas. Et ouais, effectivement, il me reste encore Rocket League. Et Trackmania Turbo, j'avance bien là, il me reste plus que 20 pistes, hein, du coup. Ça va, hein. Ouais, sauf que malheureusement, tu passes 2 heures sur chaque piste, quoi, du coup. Ouais, donc il te reste à peu près 40 heures. On n'est pas loin, ouais. Mais ça va, c'est une bonne durée de jeu. Ouais, enfin, putain. Allez, Zidane, niveau 10. Zidane, c'est qui t'as... C'est ton Kranidos. Zidane. Oh, pas comme je ça, Zidane. Je devais le faire. Je devais le faire. Mais j'ai Boscara, une tête, Zinedine et Zidane, mais... Zidane, c'est rigolo. Boscara, c'est évolution de Tortipousse. Ah merde, j'ai gardé Pingoléon, je suis un chien, bon, c'est pas grave. Oh, il est tout petit. Non, Boscara, il l'a envoyé en 3ème. Pic, c'est censé être super efficace, je lui fais 0 dégâts. Bon, en même temps, Pingoléon, sur ses attaques vol, il est pas très très efficace. Faut dire. Ça se comprend. Oh, Trancherbe, il me fait même pas de... Ah bah oui, c'est vrai, c'est Pingoléon, il a le type acier maintenant. Incroyable. Eh ouais. Donc il gagne de l'armure. Et oui, parce que ça, du coup, ça c'est un truc qu'on a fait offline, par contre, pour le coup. On a pas mal farmé un petit peu les souterrains. Ouais, pas mal, non. Moi, j'ai peut-être joué un peu une après-midi, mais toi, t'as joué ça pendant une semaine. Non, pas pendant une semaine, comme toi. Pendant une après-midi. pendant une journée entière, quasi, hein, par contre. Ouais, voilà, c'est ça. Mais j'ai pas chopé grand-chose. Par contre, putain, le truc des 40 étoiles, là, à choper, enfin, les 40 topiqueurs, là, mais gros, c'est long, hein. Oh, mais ça sert à rien. En plus, ça reset à chaque fois, c'est bon. Mais mec, j'ai littéralement mis 2 heures pour les choper, quoi. Et en plus, j'avoue que ça dure pas très longtemps. En flanant, le dresseur est battu. Mais c'est quoi ce délire? Bah, t'es nul. D'ailleurs, mais comment ça se fait qu'on en est à la 4ème arène de fête, et le mec et ses Pokémon sont level 26? À part Torti... Ouais, il pue la merde, hein. À part son Tortipousse qui est level 31, du coup, mais genre... Et il pue la queue, comme on dit. Il pue la queue, ok. Alors il faut aller. Ah bonjour, t'es encore là toi? Il est où le sbire? Mais il est que par la haute voix. Mais je le vois pas moi. Ah il est là, c'est bon, j'ai trouvé. C'est QFD. Même que le tafiole, il veut pas se battre. Ouais, Tarlouse. Oh, Tantouze. Putain. Oh putain. Sur le Tantouze. Il s'est barré, il a fui. Faut aller où maintenant? Ah oh, putain, c'est vrai qu'il faut passer par là. Il faut aller dans la ville. Moi je vais me soigner. Ouais, moi, il est encore là, Tortan. Eh, trou de fesse. Trou de fesse. Il est où? Faut aller où? Carte. Mais arrête de courir. Mais le gars il est fatigué, qu'est-ce qu'il fait? Continue de courir, mais t'es con quoi. Ah, il est là, ok. Putain, cette Pokéball elle me perturbe parce que je sais pas comment on y va. Oh! Il s'en va, il se barre! Reviens ici! Salaud! Ah, cette fois il veut se battre, enfin! Ah oui, il s'est arrêté juste là, ouais, d'accord. Il a pas couru trop loin. Hein. Oh, il va sortir un vieux chenipot niveau 22. Mais c'est trop ça, mec. Chaglam. Niveau 24, ouais, allez. Ouais, c'est pareil, hein, c'est la même merde. Hein. Mais il a qu'un seul Pokémon en plus! Mais oui! Mais Chaglam, c'est pareil, hein, c'est une tentative désespérée de copier Miaouss en fait. Hein. C'est sûr, il est au 25, ah, j'étais pas loin. Oui, l'X-Ray il vous regarde pour savoir quoi faire. Je sais. Bah, écoute, tu veux lui mettre une grosse étincelle dans la gueule et puis c'est bon. Il est niveau combien le tien? L'X-Ray est niveau 38, je crois, ou 39. Ah, oui, 40. Bah, c'est bon, je l'ai one-shot. Ouais, 38. Bon, après, moi j'utilisais quasiment que ça dans les grottes au final. C'est que de type vol ou type eau. Piou, si je n'avais pas connu, ouais, on s'en fout.
Ah, mais cette fois il marche. Par contre, en vrai, ouais, Sniper Elite 4, c'était vraiment un plaisir à faire en tout cas. En vrai, ouais. Tu sais, j'aurais piu piu. Piu piu. Qu'est-ce que j'ai fait là, oui, Altaria. Cynthia. Faut parler à Cynthia là, c'est ça? Oui. Ok, j'ai pas vu ce qu'elle a dit, j'ai dit salut, oui. Cynthia. Bonjour, quand tu viens, attends. On s'obtient le remède secret. À la prochaine fois, ok, level se casse. Ils font quoi les deux scientifiques là? On nous a demandé d'empêcher les gens d'approcher du lac. Vas-y, casse les couilles là. Vas-y, mais c'est bon, casse-toi, je veux plus te reparler là, tu me fais chier. Oh, on putain, va pouvoir aider les psychocoques à plus avoir de migraines. Ah oui, d'accord, ok. C'est parti. Elle est où la bicyclette? Mais faut aller au lac avant, non? Hop. Non, on peut pas. Parce que c'est salopio, il bloque la route. C'est qui? Il y a les mais les deux ploucs qui est à côté de Cynthia. Là. Ah ouais, j'avais pas vu qu'il y avait une entrée. Ouais, ouais, elle est là l'entrée. Ouais, où serait, j'ai c'est un girafe à rig, ta gueule. Ah d'ailleurs, je sais pas si t'as vu, apparemment pour Legend Arceus, ils vont faire une. Des versions quoi? Hisui ou je sais pas quoi? De Pokémon? Mais quoi? Ouais, ils ont fait des versions bizarres. Je sais pas comment ils appellent ça. Shiny? Non, des versions Hisui, je sais pas du tout ce que c'est. Ah, c'est un peu comme certains Pokémon, il y a des versions d'Alola. Comme Alola, ouais, c'est un peu ça, je pense. Ouais, parce qu'il y avait. Il y avait Raichu. Et ils vont faire. Coco. Et ils vont faire. Ils ont sorti une évolution de Seraphous. Ah! Et apparemment, il va gagner le type psy en évoluant aussi. Ah, c'est intéressant ça. Il devient un type normal et psy du coup. Intéressant. C'est vrai que ça peut être pas dégueu, ouais. Bah, le problème, c'est que ces deux types, il a pas de défense. C'est pas fou, hein. Non, mais de toute façon, je passe tous les combats là, vous m'intéressez même pas. Ok, c'est bon, j'étais en train de regarder si j'allais bien au bon endroit. Faut aller route 210. Oui, mais j'étais pas sûr de être allé trop loin en fait. Mais putain, mais j'ai même pas bougé du carré d'herbe. Ah, c'est chiant ça. J'étais dans le même carré, mais genre le même pixel d'herbe, j'ai même pas bougé, j'ai un autre Ponyta qui est arrivé. Le prochain, et c'est... si c'est encore un Ponyta, je lui pète la gueule. On va voir ce Joe. Oh, des psychos quoi que voulez-vous voulez-vous utiliser le remède? Oui. Hop. Ils sont où? T'es déjà là-bas? Oui, bah j'ai fait le vélo moi. Mais moi aussi, mais je suis que sur des polydas. Moi j'ai eu de la chance sur le peu de tas d'herbe. Qu'est-ce qu'il fait le psychoquack? D'accord, ok, il est manipulé. Je peux bouger ou je vais me faire foutre? Ah bah ok, si tiens. Il est manipulé. Alors faut passer voir la roque, après faut aller à gauche il me semble. Tu utilises le remède secret que les psychoquacks sont connus pour leurs maux de tête chroniques. Ah d'accord. Oui, ils ont toujours des migraines. Je me souviens pas de ça dans le dessin animé hein, par contre. Si si. Ça y était. Ondine, elle en avait un qui avait toujours mal à la tête. Vous obtenez le vieux. Et donc, il était ultra broken, on va pas se le cacher. Hein. Ouais, bah, comme Pikachu, hein. Ouais, Pikachu ouais, qui Psycho détruit Onix. Plus, hein. Ah, y'a une Pokéball là. Ta gueule, bouge! Au lieu de courir sous le pull. Elle nous a donné un vieux gris-gris, je sais pas du tout ce que c'est. Elle nous donne des trucs bizarres. Cette mais je passe par où? Putain. Il est mon téléphone! Il est là. Un Melocric. Mais j'en ai rien à branler lui. Ta 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 ta. Alors attends. Ponyta niveau 18, fuite. Mais oh putain, mais ça m'énerve ça. Oh, j'ai utilisé un repousse moi. Oh. Tu m'étonnes qu'il soit long le jeu, tu passes 3 quarts du temps à fuir les combats contre des Pokémon qui ont deux fois moins de niveau que toi. J'avoue que c'est chiant. Hein. Je sais même pas où il faut aller, je suis perdu. C'est un tout droit en vrai la route. Ah, on peut passer par le lac, du coup, ok. Ah, route 210. Salut, psychoquack. Oh putain, mais on peut pas utiliser le vélo dans l'herbe, vas-y, ça casse les couilles. Je crois que je vais utiliser un repousse pour passer l'herbe qu'il y a sur le lac, hein, parce que je t'avoue que faire 3 pas et tomber dans l'herbe, enfin me faire choper par un putain de Pokémon. Ils sont cons les psychocoques, il y en a un qui s'était perdu dans l'herbe. Ouais, j'avoue ils sont cons.
Putain, mais Cynthia, faut que t'arrêtes de me suivre, par contre. C'est qui ça? What? Y'a des mecs cachés dans l'herbe. Un vieux gris-gris. Ouais. Lucas, le ninja amateur. Ouais, par contre, Lucas avec un K. Un petit racaillou. C'est chiant d'avoir un Luxray du coup en first. Putain, c'est mon Ponyta, je te pète la gueule, tu m'as cassé les couilles. Mais il y a que ça dans l'herbe là en plus, c'est au lac. Hein. Ponyta et Mélocric là, let's go. Allez, Draco Rage là, ah, c'est parti. Bam. Et c'est le one shot. Ici, ça fait du one shot, juste pour déconner. Non, pourquoi faut que t'arrêtes avec ça. C'est vraiment... Non mais... J'ai même pas bougé du pixel. C'est bon, je vais annihiler tout ce que je croise. Annihilation. Annihiler. Ah mais là, il y aura plus rien dans les herbes. je vais dératiser l'herbe avec. Ah ouais, non mais c'est bon. Ah, oh, ils vont péter les couilles, j'ai même pas bougé de pixel d'herbe, c'est bon aussi. Un petit bulldo là. Oh, ils sont juste là pour péter les couilles en plus. Oh, mais... Oh, super repousse, oh, let's go. Oui, dans la Pokéball, dans le... Ouais, ouais. Ah ouais, bah là, je l'utilise tout de suite. Hein. La dilation, ce sera pour la prochaine fois. Hein. Putain, mais il a que des racailloux, fils de pute. Oh là là, gros, t'es un ninja, t'as des racailloux, t'as rien compris à ta vie, toi. Bah, c'est pour être discret. Oh! Qu'est-ce qu'il faisait là? Ouais, ouais, ils sont cachés dans l'herbe, les cons. Bah, c'est lui qui a que des racailles. En plus, il me donne 0 d'XP, putain. Mais bon, Lucas, mais comment t'habilles en direct en pyjama? Putain, mais va dormir. Je suis à fou. Demain, il y a école là, c'est le mec. Ah, demain, faut que t'ailles en CM1. Allez, Drac, courage, de toute façon. Quoi? Monsieur Racaillou est 3 giles, il a évité l'attaque. Ah, il m'a mis un pas de côté. Ouais, vas-y, je traverse l'herbe, Balek. Voilà, c'est bon. Ah, ça, c'est des herbes un peu moins... Ouais, un peu moins énervées, mais toujours chiant. Wow, pourquoi? C'est normal, ça? Attends, quoi? Non, il a fait destruction. L'enculé. Oh, putain, il faut une capacité anti-brume. Oh, mais ça va, il m'a fait 0 de dégâts. Oh mec, c'est quoi cette merde? Je vois que dalle. Je t'ai fait peur, Gidan, hein. Niveau 13. Tu m'as fait peur de rien du tout, connard, je t'ai même pas vu. Yorick, le ninja amateur, veut se battre. Mais Yorick, il est sur la top lane, normalement. Le terrain est couvert de brume. Oh putain, il a 4 Pokémon lui, j'espère que t'as pas 4 Nosphère à petit t'enculé parce que sinon je vais t'insulter. C'est des racailloux. Bah il a un Nosphère à petit déjà lui. Ta-da-da-da-da. Oh. Oh mais y'a quelqu'un là. Anti-brume. Oh. Ouais bon, on s'en bat les couilles. Il faut lui. J'y vois rien. Ouais, t'as vu. C'est quoi un rapion? Ça fait peur, mais non, arrête, ah, tu vas pas faire peur. C'est pas un type sol ça? D'accord. Bah, okay. Ah non, c'est Rapti. Ok. En tout cas, ils ont des Pokémon, ça fait pas trop ninja quoi. Ouais, non, mais c'est ça, je comprends pas. C'est quoi ça, Bélier? Une charge violente qui blesse aussi légèrement le lanceur. Ah, ça c'est chiant ça. Alors Rapion, on va te faire un Draco Choc toi. Parce que t'as un traitement de faveur. Nosphère à petit, hein, ouais d'accord, ok. Ah, ça l'a pas one shot. Ah. Ouais, il aiguise des couteaux. Ouais, Bélier, vas-y, bah les couilles. Pa 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 pa.
Pa. On sent, j'ai perdu 2 HP. Nosferapti encore. Non, mais c'est de blague. Nosferalto. Ah, c'est son dernier Pokémon. Let's go. Il a quand même. Oh là là, putain, mais Nosferalto, c'est quand même vraiment moche. Hein. Et après, il y a Nostanfer. Nostanfer, il a déjà un peu plus de gueule quand même. Ouais, il a une belle gueule en vrai. Il a une design intéressant. Mais Nosferapto, c'est juste Nosferapti avec des yeux et une plus grande bouche, quoi. C'est. Ouais. Ta 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 ta. Vous avez battu Yurik, le ninja amateur. Par contre, j'avoue que je vois que dalle dans le. Je vois rien, putain, c'est pas chiant, ça c'est cool. On est deux. Putain. Mais putain, mais lui aussi, mais des dodges. C'est bon. Ah, un petit Machoke dans les herbes. J'en ai déjà. J'ai pas envie de le capturer, moi je m'en bats les couilles, hein, frérot. Allez, dégage Tibune Shape. On voit absolument que de. Ah, il faut utiliser coupe en plus au cas où, quoi. Il y a un arbre ici. Alors. Il y a un mec, en tant que dresseuse, je dois. Ah, il y a un arbre là! Je sais même pas quitter, je te vois pas, putain! Vas-y, Kunotor, fais coupe! Karen, la top dresseuse, veut se battre. La top dresseuse, d'accord, ok. J'y vois rien! Moi non plus! En tant que top dresseuse, je dois prendre les combats avec philosophie! Ok, ouais, bah la philosophie, moi je dormais donc. Ouais, je crois que c'est le cas de tout le monde apparemment. Ah mais moi, si tu sans rire, tu avais des grands traits sur ma feuille. Parce qu'en fait, pendant que j'écrivais, je m'endormais. Du coup, quand je m'endormais vraiment, il y avait un grand trait vu que le stylo, il levait pas de la feuille. Bah, let's go. Et c'est du véridique. Et du coup, la prof quand même réveillée. Mais je reprenais la ligne qui est en dessous du trait. Putain. Mais vraiment, hein. Comme ça, je savais en plus que j'avais loupé un bout de cours. Mais vu que le cours, c'est limite, si je ne me mettais pas en boule dans mon sac, en fait... Oh. Voilà quoi. Ah non, mais la philo, je pense que c'est un des premiers cours que j'ai jeté. Tu m'étonnes. Oh, j'ai jamais compris l'intérêt du truc. Si dans 15 ans je revois des gens de la classe et qui me disent oh ouais, alors moi je fais des sciences philosophiques. Oui, alors comment dire. T'es sûr d'être heureux dans ta vie ou. Bon, Boscara, tu crois? Oui, il a une évolution, ouais. Let's go! Je crois que c'est tard, par contre. Pas grave. Quoi? Ok, ouais, qu'est-ce qu'il me fait, le... Putain, mais il tank, le Boscara, what the fuck? Ouais, ça tank de ouf, hein. Oh! Oh, ouais! Autant il fait pas de dégâts, mais il en prend pas, hein. Parce que Draco charge quand même, ça fait des dégâts. Hein. Attends, si il peut apprendre Bélier là. Ah, c'est Dinoclier, ah. Ah, toi aussi. Par contre, si les deux. Oh, mais il évite l'attaque aussi. Oh non, mais. Mais il a utilisé malédiction, il a peur de la vitesse, il a gagné l'attaque et la défense, et bah nickel. Ah voilà, KO. Alors, je ne vois strictement. Oh putain, il y avait un escalier. Il y a des mecs qui courent là. Non, on a perdu. Jeanne et Zoé. Ouais. Jeanne et Zoé les complices envoient un Raichu et un Léviator. Oh putain, un Raichu. Léviator intimidation. Oh merde, je suis intimidé. Fuck. Oh zut. Oh non. Pas l'intimidation. Alors, onde de choc. Ah, ça touche pas les deux ondes de choc.
Non. Mais bon, ça ne rate jamais. Allez, hop. Bonjour. Aquajet sur iTunes. Mais pourquoi ils se mettent de dos? Mettez-vous de face, c'est plus simple pour me regarder. Hein. Le grelocoque de Pingouléon lui fait gagner des PV. Let's go. Oh là là, mais là j'ai une équipe, putain. À la Kazam et Ectoplasma. J'avoue que... Mais là, tu sais que le combat, c'est full saison 1. Hein. Raichu, Léviator, à la Kazam, Ectoplasma. Hein. Okay. Allez, coupe que, psycho ouais. Sur Léviator. Ombre nocturne sur Raichu. C'est super efficace, ouais, on s'en bat les couilles. Hop, morsure sur le Raichu là. Aquajet, again. À tout moment, ça le tue. Pas du tout, dommage. À 2 PV, c'est pas grave, il va mourir juste après. Et voilà. Bon, du coup, j'ai fait 2 platines dans la semaine là, c'est cool. Petite régalade. J'en ai fait. Ben, j'en ai fait 3. Attends, j'ai fait F1, Rocket League. Et celui que t'avais dit là, je sais plus lequel c'était. Ouais, j'en ai fait un autre. Ok, il y avait encore un escalier. Ouais, je ne vois que. Ouais, j'en ai fait un autre. Je vois rien du tout. Imitation. Qu'est-ce que c'est? Valentin, le top dresseur, veut se battre. Imite la cible et copie son talent. Mais c'est de la merde. Oui, ouais, c'est pas incroyable ça. C'est quoi ça? Un Papy Lord? Oh, mais ça pue ça. Ouais, bah c'est un Pokémon insecte quoi. Alors, tous les Pokémon insectes ne puent pas, mais c'est très faible. Il y en a pas beaucoup à d'efforts en fait. Ouais, c'est ça. Genre, insectateur. Un légendaire. Bah, insectateur, j'en ai un, mais le problème c'est que le type insecte évole. Ouais, du coup, c'est ça le problème quoi. Au pire, en vrai, un insecte sol, ça peut être très intéressant. Ou même comme sur épée bouclier, il y avait un insecte feu. Tu sais, oui. le gros. Oui, merde, je vois le scolopendre ou je sais pas quoi. Ça c'était très très fort. Hein. Moi j'avais le. C'était scolocendre. Moi j'avais la libellule là, putain, comment ça s'appelle ce truc là? Oui, oui, et ça c'est un des trucs les plus. Insecte effet. C'est des plus OP qu'il y a. C'était un Pokémon insecte effet, mec, c'était n'importe quoi gros. Ah non, mais c'est un des plus OP qu'il y a dans tout le jeu. Il est joué en compétition et tout. Il fait des dégâts de débile. Et puis ce qui est ouf en fait, c'est que je me souviens qu'il y avait une attaque de type fée qui faisait trop mal si tu l'utilisais sur un ennemi et qui soignait si tu l'utilisais sur un allié. Ah. C'est je te jure, c'est archi débile. Pas dégueu ça. Ah, c'était Rubombelle, ouais, voilà. Rubombelle. Franchement, je. Non, moi je pensais pas à Rubombelle. En vrai, il est trop fort. Ce Pokémon, il ouais, mais moi c'est pas celui-là, c'est un autre. C'est de grosses mythes avec deux ailes. C'est dégueulasse, mais qu'est-ce que c'est fort. Et c'est un type feu aussi. Ouais, mais je vois ce que c'est, ouais. Il est blanc avec des ailes noires là. Ouais, je crois que je vois. Par contre, je suis un connard, j'ai gardé Luxray sur Onix. Je suis vraiment un débile. Ah, mais c'est une nouvelle technique. Après, tu peux le tuer, mais ça va être long. Ouais, bah je le tue avec morsure, mais c'est long quoi. C'est ça. Luxio, ouais, je garde avec tout plasma. J'aime tellement ce Pokémon. Moi, Luxray et Pingouléon, c'est vraiment les Pokémon que j'utilise le plus. Hein. Ça me fume. Mais pourquoi tu veux aller dormir? Mais ta gueule, tu combats, hein, oh. Combat esclave. Oh. Oh ouais, là, sommeil, mais non, en fait, non. Combat esclave. Ok, je regardais. Tu fais les gros yeux, alors tu vas pas te laisser faire. Alors désolé pour ça, mais je voulais juste voir si on entendait bien tout, parce qu'on sait jamais des fois. Pourquoi? T'as fait quoi? Oublier une capacité. Non, c'est grimace, je m'en bats les couilles, je veux pas grimace. Qu'est-ce que t'as voulu tester? Si on t'entendait sur le retour? Ouais, exactement. Donc c'est pour ça que tu gueules? Non, même pas. Luxio versus allez, Luxray, let's go. Ah, les dégâts ne sont pas là.
Oh, il a fait gros yeux. Oh oui. Ah, ça fait dégâts pour moi. Hop, voilà. Bon, lui, il est KO. Putain, mais j'aimerais ça, il m'a lancé plein de petites crottes sur la gueule. Mais ouais, Rocket League, en vrai, faudrait... Mais en vrai, go faire échange, tu me donnes tout ce que t'as, et puis... En fait, non. Non, mais après, je te les rends, une fois que j'ai le trophée, t'inquiète. Hein. Je comptais pas les garder. Je sais pas du tout où je vais. Je suis parti tout à gauche. Ok, il y a un escalier, je descends. Non, c'est un pont. Mes biscottos ne sont pas seulement là pour faire joli. Ah ouais, d'accord, ok. Ah, t'es stylé, toi, non? Hideaki, le karatéka, veut se battre. Hadouken! C'est rigolo, ça. Bah oui, il envoie la Pokéball en mode Hadouken, j'ai pas rien. Putain, il a un match hopper, quoi. En vrai, par contre, je sais même pas si je vais au bon endroit. Parce que du coup, vu que je vois que dalle, je sais pas s'il y a d'autres routes. Ta 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 ta. Non, je pense qu'il y a qu'une seule route. D'ailleurs, comment ça se fait qu'on doit passer par là? Il faut aller à Celestia. Alors qu'on n'a pas anti-brume. Oh non, mais je pense que c'est un Pokémon qui peut l'avoir. Bah, j'ai mon Tilton qui évolue. Ah! Niveau combien? 40, je crois, de toute façon. Ah ouais? Putain! Ouais, niveau 38. Ouais, il évolue tard. Hein. Mais non, mais je pense que tu l'as chopé plus haut niveau que moi. Parce que moi, j'ai dû choper genre niveau 35. Dracochoc. Bah, on va enlever Dracosouffle, hein, du coup. Non, même pas 35, peut-être 30. Je crois hein, qu'il est... Attends, je vais te dire ça. Ah non, il est niveau 35, ouais. Ah voilà, ben... Il évolue niveau 35, ok. Non, peut-être qu'il évolue genre niveau 30, et vu qu'il est plus haut niveau, il aurait évolué dès qu'il prend un niveau. Ça arrive, ça. Non, non, moi, il était niveau... Je l'ai pris, il était niveau 20, et je l'ai fait évoluer... Il vient d'évoluer niveau 35, okay. Donc oui, t'inquiète. Nadine, okay, l'ornithologue envoie un ou tout. Ouais, non, mais moi non plus, je vois que dalle, mais je sais pas du tout. Par contre, pourquoi elle a une cage d'où elle met. Vas-y, Nordine. Nadine. Nadine. Putain, mais c'est quoi cette coupe de cheveux? On dirait qu'elle a des oreilles. Oh, c'est un cosplay chat, mec. Ah! Ça va, du coup. On voit pas du tout. J'ai pas vu ce qu'elle a envoyé, du coup j'ai... Un Noirfang, c'est quoi déjà ça? Ah, c'est l'évolution. Ouais, ok. C'est juste l'évolution. T'as Oot-Oot et après t'as Noirfang. Oot-Oot. Ils se sont pas fait chez eux là-dessus non plus. C'est littéralement juste le bruit de la chouette, quoi. C'est quoi ça? Par contre, j'avoue que Kranidos il est déjà niveau 21 et Dinoclier est niveau 18. Oh là là, j'ai Pingoléon qui va apprendre Siphon. Un siphon, enfant, les petites marionnettes. Ah, par contre, ça casse les couilles. Ça a pas beaucoup de précision. J'ai enlevé Bulldo en vrai. Oula, 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 oula. Attends. Ah putain, je vais rater. Tant pis. Je voulais faire un truc. Je voulais envoyer une image à Flo, mais c'est pas grave. J'avoue, je suis surprise par l'issue de ce combat. Putain, moi pas. Je suis surprise. Hein. Par contre, je sais pas du tout où il faut aller. Ok, il y a un pont là. Je suis en train de traverser. Il y a un escalier là. Ok.
Il y a le panneau route 210, Celestia. Sur la... Vas-y, je... Oh putain, c'est bon, je suis sorti de la brume. Oh, let's go. Oh mec, je voyais... Nada, comme on dit. Sorti de la brume, c'est bon ? Oui. Ah, il y a un pont, là. Oh. Oh, régal. Oh, il y a encore un combat. Comment il s'appelle ? Quoi ? J'ai pas eu de combat, moi. Théobald le Vénérable. Je l'ai... Ah, je l'ai raté, alors. Il est où ? Ah oui, je le vois ! Il est juste avant l'escalier, là. Et toi, t'as pas arrêté ? Non, j'ai... il devait être de dos, peut-être. Oh là, la gueule qu'il a ! Non, il, a pas... il t'a pas vu, peut-être, avec la brume. Bam musté... Ah non, je l'ai pas one-shot. Musté boué. Mais ouais, c'est vrai que Rubombelle dans Épée, je l'ai trouvé ça très fort. Parce qu'en fait, je trouve que dans les arènes, ils ont beaucoup de Pokémon, soit dragon, soit soit psy. Et du coup, bah, insecte effet, le mec, ce Pokémon détruit tout. Et tu veux rire, ils ont plus de Pokémon dragon que le maître de type dragon. Oui, oui, j'avoue, je m'en souviens en plus. Ça m'avait fait rire. Non mais le gars, ouais, je te baisais avec un Pokémon dragon, il en avait un. Oui, il en avait qu'un seul, ouais, je m'en rappelle. Et tous les autres... Bah, il avait quoi ? Il avait Altaria, il avait Dracolos, et enfin, voilà, fait un truc du genre, et voilà, c'est tout. Je m'en souviens. Ça m'a déçu. Hein. Ah, non, ça, la, c'est même, fier. La même, j'étais grave deg. C'est pour ça qu'après, j'ai refait le tournoi, et j'ai fait une équipe qu'avec que des vrais dragons, et par contre, hein, je les ai démontés. Hein. Le dragon qui s'endort là, qui est bizarre, hein, qui est blanc et vert. Je sais pas de quoi tu parles. J'ai jamais vu un Pokémon aussi fort en type dragon. Oh, il faisait mal. Après, il y a Duralugon qui est pas mal aussi. C'est fini ton cadeau. Libégon, ouais. Libégon, moi j'aime beaucoup aussi. Ah, Libégon, ouais aussi. Ouais, dragon est seul. Ah ouais, ça y est. Ouais. Ça y est. Putain, en vrai, je suis trop fier de moi de l'avoir fait en deux jours comme ça là. Et c'est quoi du coup? Un coup de patte. Tu sais que j'allais... À chaque fois, j'étais pas là où j'étais but parce que je sais qu'en faisant le truc, il y a moyen que je fasse une phrase genre « Oh merde, j'ai fait ça » et que je lâche le mot qu'il faut pas, tu vois. Parce que je connais. Du coup, j'étais en mode « Vas-y, je parle le moins possible. » Putain. Ouais, tu vois, va. Tu vas devoir attendre. Le pouvoir de la jeunesse m'étonnera toujours. Bon. En même temps, t'es plus dans ta jeunesse, toi, ça c'est sûr. Oh, je vois rien. Ah, c'est bon, Celestia. Ah. Ouais. C'est juste. Bonjour, papy. On étudie l'histoire locale. Oh non, pas vraiment en fait. Moi, je vais aller me soigner avant de rentrer dans toutes les maisons. Très bizarre de dire ça comme ça. Alors, c'est vrai que dit comme ça, ça fait un peu bizarre. Ah, mais j'ai fait tout le tour, je suis un connard. Je pouvais passer par en bas en fait. Je vais rentrer dans toutes les maisons du village. Je vais violer toutes les femmes. Ah ouais. Ouais, non. Je vais casser tous les pots. Créfolé. Oh. Par contre, j'avoue que j'ai vraiment hâte qu'on aille. J'ai vraiment hâte d'aller au cinéma pour voir les deux derniers films. Ah ouais, mais moi aussi. Et Calvin, en plus, il est allé voir la Spider-Man. Qui dit rien. Bah, moi je dis que c'est de la frappe, mais il m'a rien dit. En même temps, tu veux m'affronter ? Oui, je veux t'affronter. Ok, baston. Elle a même pas hésité, hein. Parce que je sais que je gagne. Attends, mais ça c'est. Ah, mais en fait, je suis déjà sorti du village. Ok. Mais comment je descends ? Il y a un escalier à côté du centre Pokémon. Ah, putain, j'ai pas vu qu'il y avait le centre ici. Petit Charmillon niveau 25. Putain, en vrai, c'est quand même vraiment bien Pokémon. Moi, j'aime bien. C'est vraiment. C'est chill. Ouais, c'est ça, c'est trop cool. Mais en vrai, j'aime de plus en plus ce genre de jeu. Hein. Les trucs à tu veux, tu pourras jouer au premier là sur ma Game Boy si tu veux. Alors, le premier, t'es pas chill du tout. Hein. Attends. En vrai, le Legend Arceus. Je sais pas trop ce que ça peut donner, mais
Ça peut être, je pense que ça peut être cool à faire en vrai. Ouais. Vous recevez l'application montre analogique. D'accord. Affiche l'heure. Oh mais super. Une montre qui affiche l'heure, waouh. Putain, grosse appli. Pendant 5 tours, les Pokémon volent ou qui ont lévitation deviennent sensibles aux capacités sol. Oh, c'est intéressant ça. Sur Jirachi. Tu veux affronter? Oh non, non. Enfin, c'est intéressant en équipe, je pense. Mais vu que... Alors, Team Galaxy, envoie un Charmillon, allez. Qui s'est fait la vieille? Attaque. Draco charge. Saperlipopette. Vous remettez le vieux Gris-Gris à la doyenne. Ouf, oh, je l'ai one shot. On en découvre encore parfois aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à celle-ci. Ouais, bref, allez, vas-y. Alors, ton imitation de vieille mamie, elle était assez approximative. Ouais, elle avait un peu le cancer en vrai, la vieille. elle était en phase terminale là. Oh, c'est quoi ça? Oh, mais attends, c'est pas les. Cancer de stade 3. Hein. C'est pas des légendaires ça? Dessiné sur les dessins de Dialga et Palkia. Oh, pas sur ce mur là, mec. Hein. Bah, sur les murs qui sont dehors. Ouais, dehors peut-être, ouais, mais pas sur celui à l'intérieur. Ah, bah attends, je suis pas encore rentré moi. Là, je suis en train d'exploser un crapaud. Une CT95. C'est quoi la CT95? Surf! Oh, let's go! Je vais pouvoir surfer. Oh, je vais mettre surf sur Pingouléon direct. En vrai, oui, hein. Tu sais que c'est très bonne attaque. Oh. Mais oui, ça fait trop mal. En vrai, mais. Enfin, vraiment, hein. C'est. Et dans les combats doubles, ça touche les deux. Je trouve que dans pro, c'est vraiment l'attaque la plus pétée de. Des attaques. Oh. Ah, il abandonne comme ça si facilement. Ah, ouais. Ah bonjour mamie. Tu s'y fais lui? Oh putain, il y a Sasuke. On dirait qu'un combat futile a eu lieu ici. Tout le monde devrait prendre du recul et voir les... Oh putain, il me saoule, vas-y ta gueule. Ouais, gris-gris, ouais. La ah oui. Des ruines. Je allez. Que c'est clairement... On va visiter les ruines, là. Grosse visite, du coup. Ouais, c'est ça. Mais y a rien, en fait. Bah, let's go, y'a rien. Oui, c'est juste un dessin, mais il faut que t'interagis avec le mur. Examinez le mur. Ah, mais c'est Créfadé, Créfolé et Créelf. Ça, c'est sûr. Ah, moi je connais pas. Enfin, je connais de nom, tu vois, mais. C'est les trois elfes de la région. Recevez la Pokémontre, let's go, la montre analogique qui affiche l'heure, merci. On sait jamais au cas où je verrai pas l'heure, quoi. Qu'est-ce qu'elle dit, elle? Ok. Oh, qu'est-ce que c'est? Bienvenue. Acheter. Se ah, déplacer sur l'eau. Des balls, des super balls. Si je vais acheter des super balls. Je vais en lâcher 10, tiens. Le badge d'Union Police. D'accord, ok. Et j'espère qu'il faut aller à Union Police. Sûrement, ouais. Par contre, toi aussi, ta surf qui est toujours grisée. Force. Force grisée? Ouais, est-ce que je peux pas l'utiliser? Ah, sur la montre? Ouais. Oui. Ah bah, surf aussi d'ailleurs, tiens. Oui, non mais surf, c'est normal. Et c'est peut-être parce que tu dois l'utiliser... Tu dois pouvoir l'utiliser que sur une certaine surface ou une connerie. J'imagine. Ouais, peut-être. J'en ai besoin pour créer un nouveau monde! Putain, mais qu'est-ce qu'ils ont tous? D'où viens-tu? Faut pas avoir des vrais buts, genre... avoir un bac, trouver un boulot. Ah mais gros, on est dans Pokémon là. Bon bah allez, route 211. Let's go, DDDB. Ok. DB Pécha. Alors. Les Willia. Je ne sais même plus quelle arène. Je ne sais même pas quelle arène. Qu'est-ce que c'est bizarre là. Oh là, il y a des cailloux en haut. DB Papaya. 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 Tout le bala comme la papaya. Alors la moi, banana. On surf. 95, on a dit. Tu sais, ils peuvent pas les mettre dans l'ordre. Je vais faire compliqué. En vrai, je vais faire pareil. Hop.
Merde, mais pas sur Zidane. Sur Pingu. Ouais, dans l'ordre, ouais. Fury, Griffassi, Aquajet. Putain, mais. Et Surf, ça fait 90! Ah oui, oui, c'est débile. Mais du coup, bah, Aquajet a dû, hein. Ouais, la même. Bah, 40. Porte 90, boah. Pff, c'est énorme. Pour une attaque qui peut toucher deux Pokémon, c'est énorme. Surtout qu'il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas d'autres attaques haut comme qui font autant de dégâts en fait. Mais Hydrocanon. Ouais, mais Hydrocanon ça a 50% de précision quoi, du coup c'est chiant. Ouais, ouais, c'est ça, bah heureusement. Ça fait 120. Hein. Ouais, je sais, ouais. Enfin, je crois que c'est 50%, je sais plus. Je sais plus si c'est 50 ou 70. Ouais, c'est. Non, non, c'est 70, je pense, parce que 50 c'est faible quand même. Après, que les trucs comme Abîme, tout ça, ils aient très très peu de chance, genre, c'est, il me semble c'est 30%. Ouais, parce que ça one shot ça, ce genre de truc. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ouais. Les one hit KO. MDR. Y'a ça, alors y'a Abîme, Glaciation. Et y'en a, doit y en avoir une autre que j'ai oublié. Ouais, les Surf. Mais après, Abîme et Glaciation, c'est les attaques signatures de Kyogre et Groudon, donc c'est peut-être pour ça que y a que eux qui les ont. Ta-da. Ah putain, mais tu es le meilleur, ouais. Ouais, ouais, ta gueule, putain, mais. Oh, mais ta gueule! Lui, il a mis. Il a mis. Ah, c'est tout ça pour ça? Ah, c'est pas être pas mal ça. Je suis le meilleur, 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 et si je me trompais? Non. Je suis le meilleur, je suis. D'accord, ok. C'est quoi ça? Ah non, il s'arrête plus, hein. Il s'arrête plus, hein. Son CD, il a planté, hein. Ah putain, j'avoue! Oh merde! Ah, il a pété les couilles, en tout cas. C'était quoi là? C'était 77, du coup, j'ai pas regardé. J'ai pas regardé. Boost. Hugo le ruinophile. Putain. Dégueulasse de se taper des ruines aussi. Hein. Il a une douce plat. Ouais, je vois. Balle giratoire. Eh ben, on va faire un petit surf dans sa gueule. Vas-y, mords-le. Fais-lui mal. Bah, je l'ai one-shot, alors. Moi aussi. Bravo, Luxray. Flash McQueen. Ah, c'est tout ce qu'il avait, d'accord. Ah ouais, c'est tout, ouais. Le dresseur en question est vraiment crasse, ouais. Sûrement meilleur à baiser des cailloux. Ah bah ça... Oh putain, un ninja était caché derrière un caillou. Oh. Ah mais c'est le troisième, non? Salim, le ninja amateur, veut se battre. Ouais, c'est pas lui, le troisième des trois frères, là. Rapion, si sûrement. Surf. Oh, pardon. Du coup, je fais que surf maintenant, let's go. C'est sympa le gameplay. Ah bah. Là, c'est un gameplay Zoé que je propose. Hein. Ah, ah ouais. Tu spell. Tu dégoûtes. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à LoL et en vrai, ça manque pas du tout. Hein. Ah, mais moi, à chaque fois que je ne joue pas pendant une semaine, ça me manque jamais. Hein. Et puis quand j'y retourne, à chaque fois, je suis en mode putain, pourquoi j'ai lancé ce jeu? c'est malsain. Mais tu sais qu'en vrai, franchement, je préfère encore des personnages avec un kit comme Zoé que des personnages comme Kane ou Viego. Hein. Ah, ça se comprend. Ah, mec, Viego, ça dégoûte. Viego, Kane là, mais. Ça se comprend, mais Viego et Kane, c'est plus des persos que je pourrais jouer que Zoé, tu vois. Oui, non, mais moi aussi, mais même. Hein. Enfin, cancer du cul, ces deux personnages. Ah, y a un katera. Ah, ça s'appelle des hémorroïdes. Y'a un karatéka en bas là. Fusaki le karatéka. Fusaki. Hadouken! Il envoie un crado au pot.
Zidane, niveau 21. Zidane. Le front. Oh, Zidane. Surf. Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Attends, mais son Kradopo niveau... Il a... Ah, c'est peut-être une attaque qui attaque en premier, j'ai pas vu, mais... Ah, je vais couper l'arbre, ouais. Avec que d'autor. Ah, mais c'est ça, ouais. Ouais, il cut... il fait coupe avec ses dents. Non, non, mais surtout, j'en ai pas dans mon équipe. Hein. Non, mais moi non plus. Hein. Amiditika, c'est qui déjà? Ah oui, c'est... Combat. C'est le petit c'est celui truc, qui ouais. Coutonne sur lui-même. Combat psy, là. Sur sa tête, là. Mais ça me termine comment il lance sa Pokéball, lui. Ouais. Bah, Hadouken, hein. Ouais, non, mais je sais, je sais. Vas-y, Piu-Piu. Pète-leur la gueule. Putain, ça casse les couilles. Je vais le garder jusqu'à la fin. Hein. Ça casse les couilles, en vrai, protection. Ouais. Parce que du coup, tu lances pas ton attaque. Genre... Je pense que prochain Pokémon intéressant que je chope... Je vire à la Kazam. Moi là, je garde. Je reste comme ça, je pense, pour l'instant. Et avec ton placement, il faudrait que je lui apprenne Psycho. Et en vrai, je suis bien. Parce que du coup, j'ai pas un Goléon, Luxray, Jirachi et. C'est quoi l'autre que j'ai? Je sais même plus. Ah oui, c'est Altaria du coup. Et, ah, t'as gardé Jirachi? Oui, oui, bah oui. Trop. Il est là quand je suis dans la merde en fait. Je l'ai sorti, sinon c'est trop simple. Bah, de toute façon, le jeu est déjà trop simple. Hein. Et ah, c'est coup, un Pokémon en vrai. Et du coup, j'ai Dinoclié et Cranidos aussi. Ah, les deux. Ouais, ouais, je garde les deux, j'aime bien les deux. En fait, j'aime bien la gueule des deux. Ouais, c'est vrai. Fusaki. Ah, l'autre jour, d'ailleurs, sur Rome Station, mais ça, c'est juste... ah, ça permet juste de faire le tour. J'ai un problème. C'est de la merde. Oui, bah oui. Bon, bah allons dans la grotte. Oh là. Et donc du coup, c'était quoi ton problème? Quand j'ai voulu installer un jeu, ça me faisait erreur d'installation. Alors du coup, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est un gros rocher, mais vous pourriez peut-être le déplacer à l'aide d'une capacité secrète. C'était non, mais je pense que c'était pas un problème avec le jeu. Hein. Attends, mais on est censé faire quoi, là? Ouais, attends. Ah, une Pokéball, là. Corps de sortie, ok. Bah, on peut pas avancer. Bah, ouais. Allez, on attends. Est, on est baisé, là. Attends. Mais attends, mais pourquoi on se fait chier, en fait, à être ici, là? Union Police, c'est de l'autre côté. Ah ouais? Bah oui. En fait, c'est la ville où il y a les trucs de... Bah, tu sais quoi, je vais faire vol. En fait, c'est là où on avait fait les trucs de merde, là. On l'a fait, l'arène de Joliberge. Joliberge, ça ne me dit rien, mec, cette ville. Donc, c'est normal qu'on puisse pas l'utiliser. Alors, Union Police, c'est où? Comment on ouvre la carte? Ici. Ici. Oui, parce qu'en fait, c'est là où on avait fait merde. Voilà, Rock. Verchamp. Bah, c'est là où il y a le drapeau, de toute façon. Rivama. Ah ouais, j'ai pas vu. Oh, mais c'est chiant pour... Ah, mais attends. Carte. On peut juste utiliser le vol. Bah oui. Voilà, let's go. En fait. En fait, il y avait pas besoin d'aller dans la grotte. Et du coup, on est dans la ville où il... où on a fait les concours Pokémon. Oui. Ouais, tu sais, les trucs qui servent à rien. Là. Ouais, les trucs qui servent, exactement. Allez, on va à l'arène, là. Et du coup, on va se taper, là. Taper. Oh, c'est quoi comme arène? Parce que je me souviens pas du tout. Question, 3 plus 5 plus 7. Spectre. 2, 16 ou 15. Ok. Type Spectre. Bah, 15, du coup. C'est quoi qui est fort contre Spectre, déjà? Ah, la 15, c'est la porte de droite, ok. Bah, Spectre, si, ça marche, hein. T'as la Kazam. Non, c'est Spectre et Ténèbres. Oui, Ténèbres aussi, c'est vrai, j'avais oublié Ténèbres. Bah, c'est Spectre ou Ténèbres en fait qu'il faut. Question 12 plus 28. Ok. Donc, Ectoplasma, viens ici.
Et tu en mettrais-tu là? Donc là, ectoplasma, t'as intérêt à tanker, hein, parce que... 3 spectre fois sur 13. Spectre, c'est efficace. À gauche, du coup. Faut faire des maths? Ouais. Oh non. Bon, ça va, hein, mec, t'inquiète, c'est pas dur, hein. C'est genre 3 plus 5 plus 7, la première. Oh, bah je sais pas. Hein. 3... Quelle était la réponse de la salle 1? Ok, 15. Merci de me donner le tuyau. Mais attends, mais... Y'a... Y'a vraiment... C'est vraiment tout? Y'a pas de dresseur? Si on a à fond de la championne directe? Oh putain, c'est Chimera en plus la championne, vas-y, je la déteste, elle me dégoûte. Alors? Un ascenseur. Ok. Ouais, le panneau. 3, 5, 7. Ok, Chimera la championne, elle a 3 Pokémon. Un gros drive! Tu fais quoi si je me trompe? C'est quoi un gros drive? Je pense que si je me trompe, j'ai un dresseur. Ah, c'est ça. Ah ouais? Ah merde! Ouais. Ouais, je vais faire ça moi. Ah, je suis pas indien! Gros drive. Oh, bah, alors, qu'est-ce qu'elle a? Un feu faux rêve. Ouais. Bah, dis-moi qu'il est au moins niveau 30. La championne, elle est niveau 30. Ah, mais niveau 30. Il est niveau 30. Allez, Kuba. Kuba! Ça a loupé. Ton placement, ça commence mal, hein. Et maintenant, il est confus. Ah, c'est bon. Ah oui! Je l'ai one-shot, hein. Ah, est-ce que ça fait de l'XP? Non. Ouais, ça fait 200 d'XP, bah super, bon bah on va bien répondre parce que... on va bien répondre. Alors si c'est pour ça... Gros drive. Ah! Attends. Eh mais du coup, ok d'accord. J'ai compris en fait, quand tu te trompes, tu tournes dans une salle où il y a un dresseur et t'es obligé de retourner en arrière. Ok. Chimera, la championne, envoie un ectoplasma. Ouais. Ah bah elle a un ectoplasma, c'est pas étonnant ça. En vrai, Alors, 12 plus 10, 28. Oh, mais je sais pas. Ouais, c'est bon, mec, arrête. Pas genre... Oh, let's go! J'ai pas trompé. Bon, pour l'instant, pas trop de grosses surprises, hein, du côté de la championne. À part gros drive, que j'avoue, je m'attendais pas à voir ça quand 3 même. 3 x 13. Oh, mais je sais pas. Hein. Tu vas le faire à chaque fois, ou... Oh, let's go! Félicitations, mais merci. Quelle était la réponse de la salle 1? Ah, oh, mais je me souviens plus, hein. C'est compliqué, hein. Ah, oh, je pensais que c'était 15, hein. Oh là, oh, mais madame, mais vous avez une sale gueule, hein. Oui, elle est dégueulasse. Mais... Non, je suis confus. Ouais, pense que t'as parlé encore plus fort aussi. Oh, let's go. La meuf, elle crie, je suis devant toi. Okay, can you see? Mais ta gueule aussi. Et maintenant, le dernier Pokémon. Je sais plus du tout où ça va être, son dernier Pokémon. Mais la meuf, mais ses cheveux sont plus gros que sa tête. C'est quoi ce Pokémon là? Oh dear, c'est drift. Déjà mon dernier Pokémon. Hein. Ah c'est ça! Mais c'est de la merde! Mais nul à chier la championne en vrai. Allez Kuba. Nul à chier la championne. Mais putain, mais c'est chaud à chaque fois! Oh il vole ma force! Non! Ah oh, bah j'ai one shot son dernier Pokémon, allez vas-y c'est bon. Son ectoplasma était le plus dangereux. Hein. Bah moi il a envie de retourner dormir. Ouais, ombre nocturne, ok. Ah bah t'étais pas dur à affronter, hein, connasse. Ouais, Pokémon, brûlure, attends, ok. Vous êtes vraiment très fort, viens. Vas-y, point ombre. Putain, mais il prend pas de dégâts son gros drive. Avec de l'eau, tu le one-shot. Hein. Ah! Il m'a one-shot. Hein. Ok. Bon, bah, ectoplasma, très déçu. Hein. Ah, elle m'a pris. Elle m'a donné une CT griffe ombre. Allez, vas-y. Putain, mais son gros drive m'a one-shot ectoplasma.
Attends, vas-y, Altaria. Attends, mais du coup, je peux plus affronter les dresseurs qu'il y avait avant? Ah bah non. Oh merde. Bah tant pis. Putain, de l'XP en moi. Bah c'est pas grave, hein. Oh bah franchement, pour gagner 200 d'XP par combat... Bon bah ectoplasma déçu, hein. Ouais, mais ça aurait fait de la thune avec aussi, tu vois. Bon, pas besoin. Je suis déjà friqué, moi. Ouais, moi aussi, mais bon. Onde de folie, ouais. Putain, mais ça va, tu sais, y en a combien des portes? Ah, ça y est. Oh, Cynthia! Oh, non. Ah, je suis content de te voir, cela faisait un moment que je te cherchais. Ma grand-mère m'a raconté ce qui s'est passé à Célestia. On s'est vu il y a littéralement 5 minutes. Pour ton intervention dans les ruines. Ah oui. Il n'empêche que la Team Galaxy commence à causer de nombreux soucis. Voilà. Ouais, l'histoire, ouais. Ouais, c'est Pokémon, hein, ça va. Ah bah, grosse histoire, hein. Putain, mais en vrai, l'entrave sur Ectoplasma, c'est trop fort. Tout. Vas-y, Majax. Oh, Gérard. Pète-lui la gueule. C'est vrai que j'aurais dû appeler Gérard. Ta ta ta. Une bonne tête de Gérard. Bah, ah, mais mon Alakazam a pris Psycho, ok. C'est quand je l'ai fait évoluer, ça, non? Oui. Ça, c'est propre. Là, il va être commencé à être un peu fort. Après, le problème, c'est que... Alakazam, c'est un petit peu psy pur. Oui, effectivement, il fait que ça, quoi. Ouais. Ah, bah on doit aller à Jolie Berge. Et Ectoplasma, vu que c'est un type spectre poison, et qu'il a 3 des attaques type ténèbres, c'est intéressant. Ouais, sauf que du coup, il se fait démonter par les types psy, du coup. Ah, bah oui. Boum, psycho. Et aussi par les types fantômes, malheureusement. Et oui. Ouais, les spectres, c'est efficace contre les spectres. C'est comme les dragons, c'est efficace contre les dragons. Oui. Effectivement. En même temps, les types normaux et combat ne peuvent pas les toucher au spectre, donc... Oui. Bim, psycho. Voilà. Ça, c'est fait. Non, on s'en bat les couilles avec la drogue. Bon, du coup, je vais à Jolie Berge, hein, je t'attends même pas. Jolie Berge. Ah, super. Sympa, le pote. C'est le mec. C'est ça. Par où on passe, là? Oh, voilà, vas-y, applaudis-moi, ouais. Oh non, mais j'ai pas envie de traverser la grotte. Putain, mais pourquoi elle parle anglais aussi? Là, c'est couille. Badge fantôme, let's go. Par contre, c'est bien le truc de la Pokémon là qui nous permet de. D'utiliser oui. Les capacités spéciales, du coup, on a plus besoin de les mettre sur les Pokémon à la con. Ouais, ça, par contre, c'est très très bien. Ça régale, hein. Griffe ombre. Ah, ça m'intéresse par contre. Oui, ça, j'avoue que... Attends, je vais voir si tu peux la prendre à quelqu'un. Tu sais que sur Pro, je crois que j'ai Griffe Ombre sur Dracaufeu. C'est un délire. 70. Ah, c'est pas dégueu. Ou alors j'ai Draco... Ah, j'ai Draco... Oh, je peux la prendre sur Pingu. J'ai Drago plutôt. Drago Claw, ouais. Griffe Dragon plutôt. Ouais, Griffe Dragon. En plus, c'est une type... C'est une attaque poison? Non. Non, c'est Spectre. Oui, non, c'est Spectre. Bah, Griffe Ombre. Est-ce que je vire Ombre Nocturne? Ouais. Par contre, Griffe Ombre, tu peux la prendre sur Pingoléon? Non, Point Ombre, plutôt. Parce que Ombre Nocturne, ça sera fort quand il sera niveau 70. Alfred le Montagnard. Envoie un racaillou. Ah oui, parce que c'est les attaques qui font des dégâts en fonction de ton niveau, là. Ça, c'est chiant, ça. Ouais. Bah, en vrai, dans mes premiers niveaux, c'est pas fort, mais je la garde quand même, parce que... Mais... Bah, niveau quand 100, ça fait 100, la ligue. Ouais, voilà, c'est ça. Du coup, ouais, c'est quand vrai. Quand t'arrives à la ligue, c'est censé faire des dégâts, quoi. J'affronte un dresseur qui est niveau 15 parce que je l'ai pas affronté la première fois que je suis passé, apparemment. Ou alors c'est parce que ça fait longtemps qu'on a pas lancé le jeu, peut-être. Non, des fois il reset. Ouais, bah oui, c'est pour ça. Du coup, c'est peut-être juste parce qu'il arrive. Mais ça va, il y en a plein de portes là. Pendant la meuf, elle a quand même une arène, elle a des ascenseurs et tout, genre. La meuf est friquée, quoi. Ah, c'est bon, je peux sortir. Ah, Cynthia, bonjour.
Alors, on va se soigner. Bon, allez. Je tape un mec pour gagner 40 d'XP en plus, putain. Ah non, mais c'est vraiment très inutile. C'était juste de la méchanceté gratuite, ça. Tu sais, je regarde même pas le combat, je suis sur mon téléphone, je spam A comme un débile. Putain. J'ai fait tout en surf. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais en même temps, le truc est niveau 15, je suis niveau 40. Alors. Quoi d'autre? Ah bah oui, carte. C'est où jolie berge. C'est complètement. Oh, c'est tout là-bas. Oh, mais je fais ça. Putain, j'ai entendu autre chose. Non, mais arrête. Toi, t'as vraiment essayé de me placer. C'est pas de ma faute. Ah, si, si, c'est totalement ta faute. Non. Bon, j'ai rencontré un petit garçon, Julio le gamin. Avec ta jolie berge. T'es tellement bien placé comme à chaque fois. Putain. Tu aimes les cannes à pêche? Oh oui. Ah oui, lui, ah, ils m'ont fait une canne. Ah oui, bah oui, bah super. Ouais, t'as fait la super canne. J'ai une super canne, donc bon. Non, non, m'explique pas, non, c'est bon. Ouais, mais je sais comment il faut pêcher. J'ai pêché un Léviator, donc. Oui, stick ram. Pim poum. Ah, bonjour! Oh, la meuf, elle s'est fait planter par son copain. Oh, la loseuse. Vas-y, Castorno, fais surf. Oh yes, je navigue sur un Castorno. Let's go! T'as cool là? J'aurais mieux fait de faire vol jusqu'à la ville la plus proche. Hein. Mais ah, mais moi, ce que j'ai fait. Hein. Taper des dresseurs de niveau 15 là. Vas-y, c'est bon, ah, dégage. Ah, mais moi, j'ai fait vol. Hein. Oh, je suis du surf là. Ouais, ouais, vas-y, tu sais quoi, je vais faire ça parce que. Mais allez, putain! Merci. Vol. Hop. Félicité, let's go. Ah bah. Renaud le pêcheur. Oh Renaud! Toujours la banane! Ah! Ah oui, ça c'est pas les petits pêcheurs qu'on a en terrain. Là il a un Léviator quand même. En même temps, il serait temps que leur Magikarp il évolue quoi. Ah bah ça c'est sûr. Les mecs sont tous là, ils ont 18 Magikarp, tu sais, ils sont niveau 60. Ok, let's go, route 218. Bonjour madame, avec ton goéland. Et là, du coup, on est obligé d'utiliser surf, ok. Et non, tu fais ça sur un castorno. Ouais, normal. YOLO. Hop. Oh, le cuisinier. Et c'est parti, mon kiki.